متابعي ام اف ام سبور مرحبا بكم، وحنا كنتابعوا اللقاء الودي والاعدادي ما بين الرجاء وفريق بيتيس الاسباني. جيت تفرج معايا واحد من اللاعبين اللي عطاو بزاف الفريق رجاء، ليما مابيدي. ليما بونسوار. وي بونسوار نبيل. اه ميرسي تو فيني فوار لو ماتش افيك موا، سي جونتي. وي بيان سور، باسكو رجاء سي ما ميير ايكيب. Et à chaque fois que je suis de passage au Maroc, et je n'hésiterai pas de rendre visite à mon équipe. Donc, je suis là et je suis venu voir mes coéquipiers tenter de jouer contre Betis Séville. C'est vraiment déjà un match important. Et lorsque j'ai attendu que les Rajas jouent contre Betis, j'ai dit que je ne manquerai pas cette occasion et c'est pour cela que je suis là. Ça va te manquer un peu l'ambiance du public, etc. Oui, bien sûr. Et la dernière fois que j'ai vu les stades remplis, c'était contre Vita Club à la finale. Et là, aujourd'hui, c'est un match amical. Ça me dépasse de voir le public comme ça. Et ça prouve qu'ils aiment bien sûr leur équipe. Et c'est déjà un plaisir pour moi de participer dans un match comme ça. Lima, quels sont tes meilleurs souvenirs ici au Maroc avec le Raja? Il y a plein de souvenirs. Le meilleur? Le meilleur pour moi, si je parle du pays, c'est déjà un très beau pays pour moi. Et vous voyez, parce que là, je suis déjà fait contrat avec les Rajas, mais je suis au Maroc, ça prouve que j'aime bien le pays. Et à ce qui concerne les Rajas, j'ai plein de souvenirs, mais ma meilleure souvenir, c'est lorsque j'ai gagné la Coupe d'Afrique avec Vita Club. C'est déjà vraiment un très beau souvenir pour moi. C'est pas foot challenge, c'est pas ton meilleur souvenir. Bien sûr, là c'est ça, juste des plaisirs et c'est hors sport. Donc, mais à ce qui concerne les clubs, comme j'ai dit, que ma meilleure souvenir, c'est la finale contre Raja. Et puis, je ne peux pas manquer. Et foot challenge, ça me manque aussi. Mais je sais qu'avant de partir, je vais passer encore ça. Lima, tu veux qu'on parle un peu de ta prochaine destination, quoi? Non, là, je vais être un peu discret par rapport à ma prochaine destination. Mais pour retenir, c'est vraiment très beau. C'est une très belle proposition pour moi. Et je crois que la prochaine fois, les gens vont me trouver en Europe. Et en Europe? Bien sûr, je vais évoluer dans un championnat qui est bien réputé. Et d'ici là, ils auront déjà, et puis ils vont voir dans des médias, dans des réseaux sociaux, là où ils vont évoluer la saison prochaine. Lima, dernièrement, un mot pour ce public rajaoui. Je l'aime beaucoup et il me manque aussi. Donc, je suis vraiment reconnaissant vers ce public. À chaque fois, ils sont derrière moi. Ils n'arrivent pas à chercher à voir mes nouvelles. Donc, c'est une chose qui prouve qu'ils m'aiment aussi beaucoup. Et ils continuent toujours à m'aimer. Donc, moi, de retour, je l'aime aussi. Ouais. Merci beaucoup, Lima. Merci beaucoup. Merci.